Bonsoir, bienvenue à la SNAEF Vision. Merci à tous d'avoir répondu présent. Yohann Kongolo, la référence et le modèle pour les jeunes lausannois. Donnez-vous des séances d'entraînement ? Bonsoir, d'abord merci à l'invitation. Alors effectivement, on a déjà parlé du Team Kongolo. L'équipe de Fight Team Kongolo, c'est une équipe qui regroupe plusieurs sportifs donc d'horizons différents, notamment MMA, kickboxing, box thai. On a plusieurs jeunes qui sont là, qui sont en plein développement, qui sont en train de monter. Donc l'équipe est déjà mise sur pied depuis 2 ans aujourd'hui. Donc on a, comme je disais, plusieurs jeunes d'horizons différents, d'origines différentes. On a actuellement une équipe qui fait partie des meilleures équipes de Suisse. Donc si ce n'est pas la meilleure équipe de Suisse. Et effectivement, on s'entraîne comme des professionnels. Moi-même, je suis boxeur professionnel. Il y a plusieurs combattants qui sont en phase de passer professionnel dans l'équipe. Donc pour parler de l'équipe du Team Kongolo, le team, c'est une équipe qui a été montée d'abord. Tout d'abord, c'est un team d'équipe de compétition. Donc dans le Team Kongolo, la plupart des combattants, c'est une équipe de compétiteurs. Tous les combattants qui sont là, c'est surtout des gens qui sont basés sur l'accès compétition. Et bien sûr, donc dans les autres branches du Team Kongolo, il y a aussi des gens qui sont là. Donc, c'est une grosse équipe, on a plusieurs salles, plusieurs personnes, beaucoup de membres. La plupart des autres gens qui sont là, c'est des gens qui viennent pour s'entraîner aussi, comme monsieur, madame, tout le monde. Enfants, adolescents, adultes. Nous sommes basés à trois enseignes. Donc une salle qui est située à la Tour de Paix. Une autre salle qui est située à Lausanne, rue Saint-Martin. Et une autre salle qui est située à Malais. Avenue de Provence. Le grand public aimerait bien comprendre d'où vous venez. Je vois qu'il y a beaucoup de culture. Hein. Je m'appelle José Colon Rodriguez, j'ai 22 ans. J'ai commencé il y a un an et demi. Je combats à 91 kg. Bonsoir, je m'appelle Christian Locoussal. Je combats à 81 kg et puis je suis le champion suisse de 81 kg kickboxing. Je suis congolais mais j'ai grandi ici. Bonsoir, Sébastien Fleury. Je fais de la boxe thaï en 67 kg, je suis champion suisse et j'ai commencé il y a 4 ans. Je suis suisse. Bonsoir, je m'appelle Michel Bounouk, je suis camerounais, je suis champion suisse du MMA. J'ai commencé il y a 6 ans en arrière et là je fais partie de la Team Kongolo. Bonsoir, je m'appelle Luc Ngelika, j'ai 23 ans, bientôt 24 dans un mois. Je combats en poids lourd, 110 kg. Et j'ai gagné le championnat suisse kickboxing, pied-point et le championnat MMA, Cheteau. Eh ben, merci. Quel est votre plus beau combat ? Enfin, il doit en avoir plusieurs, mais il y en a un en particulier qui vous a vraiment marqué ? Un combat qui vous a marqué vraiment ? Le plus beau combat, je sais pas, la finale du Cheteau était bien. J'ai bien aimé le résultat. Puis sinon, les combats que j'ai fait en boxe pied-point aussi, c'était pas mal. Mais sur des bons adversaires. Voilà. Tu as gagné ? J'ai gagné les 4 combats du championnat suisse par KO. Voilà, j'ai quand même assez. Quelqu'un aimerait bien raconter son plus beau combat ? Mon plus beau combat, c'est. Ça s'est déroulé le 1er décembre, où mon adversaire il avait plein de tatouages de nazis, et là, ça m'a vraiment marqué. Moi, mon plus beau combat, ça reste le combat pour le titre. Car. C'était le dernier combat et puis on n'a pas souvent l'occasion de combattre pour une ceinture. Donc ça reste pour moi le meilleur combat. Pour moi le plus beau de mes combats c'était aussi pour le titre. Parce que déjà c'était la première fois que je gagnais une ceinture. Et en plus de ça, mon sensei il était content et tout le monde était content en fait. Sauf ça que c'était le plus beau. Alors moi mon plus beau combat ça reste contre l'anglais. Un anglais que j'ai combattu au WTKA. Parce que je venais d'avoir 2 défaites consécutives et que c'était un gros combat, il était plus lourd que moi et ça reste mon plus beau souvenir quand même. Alors moi mon plus beau combat, je pense que ça va être, pour moi personnellement, c'était mon combat contre Miran Fabian. C'était pour mon premier titre de champion d'Europe professionnel de K1. J'ai eu une fracture du bras au deuxième round, donc l'avant-bras qui s'est cassé en deux. C'était un combat qui était décisif pour ma carrière. Si je gagnais ce combat, ça me propulsait pour la suite. Si je perdais ce combat, je pense que ça stoppait beaucoup de choses aussi. Et voilà, c'est un combat avec lequel j'ai beaucoup appris. Combat avec lequel je pense aussi mes élèves ont beaucoup appris. Et voilà, sinon pour la suite, un de mes plus beaux combats, on va dire, c'est le fait d'avoir amené
aujourd'hui tous ces gens qui sont là, tous ces jeunes qui sont là aujourd'hui champions, qui portent une ceinture, parce que je veux dire que c'est pas du tout facile d'y arriver à ce stade-là. Beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais c'est beaucoup d'heures, de litres, de sueur dépensée, de coups de pression, de coups ramassés, c'est vraiment un gros sacrifice à faire. Donc beaucoup de gens, surtout au stade où ces jeunes sont là, ils auraient arrêté leur carrière, car pour certaines personnes, le fait de gagner un titre, on va dire, c'est le début mais la fin d'une chose aussi. Mais voilà, ils sont là aujourd'hui, ils sont d'attaque pour la suite, ils sont plus motivés que jamais, on va dire. Et voilà, je pense que l'avenir se développe ici. Donc voilà. Que de beaux parcours. En parlant de ceinture, on peut avoir un petit aperçu un peu plus sur vos ceintures? Alors celle-là, c'est champion suisse du SCOS, K1, championnat suisse. Et celle-là, c'est champion d'Europe amateur de K1. Voilà. J'ai la même que José, juste catégorie différente. Alors, champion suisse kickboxing pour le SCOS. Ok, voilà. Moi, c'est la ceinture de boxe thaïlandaise, champion suisse boxe thaïlandaise. J'ai une ceinture champion suisse MMA, moins de 93 kilos. Merci. Champion suisse kickboxing depuis 91 kilos. Voilà. Moi, c'est Louis Vuitton, chez Louis Vuitton. Donc voilà, exact. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de se pencher sur les choses qui ont été réalisées par les jeunes de la team, parce que c'est ça qui va motiver beaucoup de gens. Et voilà, toutes ces ceintures-là, c'est un plaisir avant tout. Donc... c'est les ceintures de l'équipe, c'est les ceintures de chacun des combattants qui sont là, qui ont été gagnées durement, et voilà. Et je tiens à préciser que la plupart de toutes ces ceintures qui sont ici ont été gagnées par KO. Ça montre le travail qui a été aussi réalisé pour y arriver. C'est pas des ceintures qui ont été gagnées comme ça ou comme ça, non, c'est du travail. En tout cas, chacune des ceintures qui sont là a été résultat d'un travail dur. Donc voilà. Que de beaux trophées. Une question vient à l'esprit. Quelle est... vraiment la plus grande motivation première, en fait, pour se lancer dans un sport de combat? Alors je pense que ça dépend de chaque personne, faut dire les choses comme on est, chaque personne, chaque ambition des personnes, c'est beaucoup aussi des milieux d'où on vient. C'est avant tout, faut dire, c'est pas un sport qui rapporte de l'argent comme ça, c'est pas un sport qui, non. En tout, ça nous permet de nous canaliser, et au début on vient dans une salle pour se défouler, pour apprendre à combattre, pour apprendre à se défendre pour certaines personnes. Et les objectifs arrivent petit à petit. Je pense que j'ai rarement vu commencer par moi-même, des gens qui arrivent dans une salle et qui disent « j'ai envie d'être champion du monde ». Non, ça vient tout après. On arrive d'abord, on veut voir ce qui se passe, on veut se défouler, on veut travailler, on veut prouver des choses. Bien sûr, on veut se comparer aux autres, on veut être le meilleur avant tout. C'est ce qui fait qu'on sort champion. Donc voilà, c'est ça la plus grosse motivation. Après, bien sûr, ça se débouche sur autre chose. Il y a la motivation, on veut faire comme les grands frères, on veut faire comme nos modèles qu'on a. On veut développer notre personnalité, on veut s'exprimer dans ce qu'on n'a pas pu sur ce qu'on n'a pas pu s'exprimer, ce qui veut dire dans la vie de tous les jours. Et voilà, le ring, pour certaines personnes, je pense que c'est la maison. Moi, c'est ma maison, je me sens bien dessus. La salle, c'est pareil. Et c'est ça qui attire, c'est une ambiance, c'est on va dire une confrérie, c'est voilà, c'est ça qui nous attire, qui nous donne l'envie de continuer. Et on aime ça, en fait. Honnêtement, est-ce qu'il faut un talent particulier? Est-ce qu'il faut un talent particulier pour être champion? Quelque chose de vraiment différent, en fait, des autres? Déjà, il faut de la motivation pour commencer. Moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas forcément de talent particulier. C'est des heures de travail. Puis, je voulais faire comme mon sensei, donc je pense que c'est ça, le talent. Être motivé et puis avoir de la passion, surtout. Donc le mot de la team, c'est détermination. Voilà, exactement. Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à un jeune débutant? Ah bon, pour moi, je pense, si j'ai un conseil à donner à un jeune débutant, c'est prendre exemple sur Yohan, déjà, et avoir de la passion. Et après, tout viendra au moment voulu. C'est juste ce conseil que je peux donner.